Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour ce live couture mystère. Je vais attendre que vous vous connectiez parce qu'on est un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble et prête à coudre. Alors pour remettre dans un contexte, pendant que vous arrivez tranquillement, donc je suis dans le Megastore de Givors, donc ici sur Facebook, sur ma page des tutos couture de Dodinette, et à côté ici, bonjour Instagram, sur la page Le Tissu des Ursules. Pour ce petit live couture mystère, donc je suis dans le nouveau Megastore de Givors parce que cette année, Tissu des Ursules a 21 nouveaux magasins, donc maintenant 63 magasins. Et le but était de vous faire découvrir aussi ce lieu hein, qui est très très grand. Je ferai un petit tour après pour vous montrer quand on aura cousu notre création mystère. Voilà, et donc si vous voulez retrouver les adresses des magasins, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tissu des Ursules, tissudesursules.fr, et vous retrouverez toutes les adresses. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles adresses dans le Nord en particulier. Voilà, mais pour cet aparté, on va commencer le live. Je veux commencer cette journée par quelque chose de très important. Donc pour fêter cette belle journée couture, pour fêter mes 200 000 abonnés Facebook, merci beaucoup Facebook, et les 21 nouveaux magasins Tissu des Ursules, j'ai un code promo pour vous qui est exclusif, qui est valable de 7 jours uniquement sur leur site internet. Je vous le redirai après. Le code, c'est Dodinette21. Pourquoi 21? 21 nouveaux magasins et 21% de réduction sur l'ensemble de leur site. Alors, il y a des petits astérix hors confection, hors machine à coudre, mais vous reverrez ça, c'est sur le blog. Voilà, je commence comme ça. Et j'espère que vous êtes bien installés. Donc, vous êtes nombreux hein, sur Facebook, déjà pratiquement 600. Sur Instagram, bienvenue. Plus de 100 personnes sur Instagram pour l'instant. Eh bien, super. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. On va commencer ensemble à coudre. Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. Moi, je suis ici. Je vais vous montrer toutes les étapes. On va les faire en même temps. Si ça va trop vite, dites-nous, ça va trop vite. J'essaierai de ralentir. J'ai une super équipe de choc à côté de moi qui va me poser des questions Facebook. Donc, au fur et à mesure de vos questions, ils vont noter les questions et ils me les poseront au fur et à mesure. Pour Instagram, n'hésitez pas à poser vos questions. Et Séverine, le Tissu des Ursules, les posera au fur et à mesure. S'il y a une panique, quoi que ce soit, help, je suis coincée, dites-moi et on reprend dans la mesure du possible. Et je vous rappelle qu'il y aura bien entendu un replay intégral de cette session couture, donc pas de panique. Si vous devez partir, vous avez fini votre pause déjeuner, restez avec nous, posez vos questions et cousez tranquillement ce soir, ça le fera aussi. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés, tout va bien. Bonjour à tous et à tous et on y va. Donc, je répète, on ne sait pas ce qu'on va coudre et c'est le but. Donc, vous allez me dire au fur et à mesure ce que vous en pensez. Vous devez avoir devant vous, je vais vous tourner, hop, la machine à coudre. Vous devez déjà avoir enfilé votre canette. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous de la préparer. Mais non, tu n'as pas loupé le rendez-vous, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour Facebook, je vous dis, je ne peux pas lire vos questions en même temps que je vais coudre, d'accord? Donc, je regarderai le replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay, tout à fait. Voilà, mais si vous avez des questions importante de couture, ma super équipe va les noter. Donc, on va commencer par le plus simple, histoire de se mettre en jambes tranquillement. On va commencer par la partie doublure, d'accord? Donc, pour la partie doublure, vous devez prendre cette pièce-là, c'est la pièce D. Je vous remontre le patron, hop, qui est comme ça, d'accord? Mais vous avez deux pièces qui sont de la même taille, comme ceci. Et vous allez devoir les mettre ensemble, endroit contre endroit. Donc vous alignez bien vos pièces. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas, s'il y a besoin de zoomer ou quoi que ce soit, que je le fasse. Donc je pose mes pièces. Et normalement, je vous remets le patron, vous aviez un repère d'ouverture à placer. Donc s'il n'est pas placé, notez-le. Voyez, hop, vous mettez votre patron. Et vous notez ici le repère d'ouverture. Donc ça va être la couture la plus simple, c'est pour ça qu'on commence par ça. Et nous allons venir, hop, épingler nos pièces ensemble ou alors mettre des pinces. Et on va travailler sur le bas uniquement, d'accord? On va réaliser une couture au point droit ici. Mais à quoi va ressembler Joanne Stéphanie? C'est une très bonne question, mais vous allez le découvrir au fur et à mesure, c'est ça le but. C'est d'avoir une petite surprise. Est-ce que ça va? Pour Facebook, il n'y a pas de questions pour l'instant? Parfait. Moi non plus, pas de questions, on continue. Eh bien, on y va. Au niveau du réglage de votre tension, ici, moi, j'ai réglé à 4 parce que je suis sur du coton. Vous pouvez vous mettre 4, 5. C'est vous qui avez l'habitude de votre machine.
Je me suis réglée au point droit. Et là, vous allez voir, j'ai un pied spécial parce que je travaille du simili-cuir. Je vous le montre, c'est le Caria. Je vous en avais déjà parlé lors du live. Là, il est en rose gold. Il est très, très beau. Il y a plein de coloris hein, aussi. Ça, je l'ai pris, bien sûr, chez Tissus des Ursules. Et mon petit coton ici, je crois qu'il s'appelle futon. Au niveau des épaisseurs de coton, vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez. Tant qu'il n'est pas du tissu d'ameublement, ça va aller. Donc, j'ai mis ce pied parce que je travaille le simili. Mais pour le coton, vous pouvez utiliser votre pied classique. Claire, non, je ne suis pas toute seule, mais si tu as envie de mettre des petits liens, tu as le droit de m'aider, il n'y a pas de souci. Hop, donc j'installe sous mon pied mon tissu et je vais venir planter l'aiguille pour vérifier où je suis. Donc la marge de couture, elle est de 1 cm et elle est comprise dans les pièces du patron. D'accord. Laurent, si tu n'arrives pas à te connecter correctement, tu peux aller sur l'Instagram de Tissus des Ursules. Le live est aussi en cours là-bas, ce sera peut-être plus simple pour toi. Je plante mon aiguille et j'aligne bien, c'est important, le tissu au bord du pied. Ça me permet d'avoir un repère. Moi, je sais que quand l'aiguille est plantée au milieu et que mon pied est au bord, je suis à 1 cm. Pour cette couture, je ne vais pas regarder l'aiguille, mais je regarde constamment le bord du pied pour être sûre que je suis bien alignée sur mon tissu. Donc, je vais démarrer. Donc, je vais faire un petit point avant-arrière. Hop. Et donc, je vais coudre à 1 cm jusqu'au premier repère. Et je pense à arrêter ma couture au niveau du repère. C'est parce que j'ai besoin de garder ma doublure ouverte pour plus tard. Donc, je fais un petit point retour. Voilà. Et je vais venir couper mon fil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de coudre le modèle Joanne. Donc, le modèle Joanne, c'est un modèle mystère. Vous allez voir. Si vous voulez récupérer le patron, vous le trouvez sur le site de Tissus des Ursules quand vous arrivez en cliquant sur le slide. C'est un patron gratuit que je vous offre. Et vous pouvez ensuite coudre avec moi en direct ou en replay, bien entendu. Donc, la deuxième couture, là, j'ai ouvert. Je viens me placer au niveau de mon second repère. Zaza, tu n'as rien loupé, on est à la première pièce, ne t'inquiète pas. Hop. Donc, je garde bien un espace non cousu au milieu. Hein. Pareil, je fais mon point avant-arrière. Oups, j'ai un peu réduit mon... C'est pas grave. Et je viens jusqu'au bout. Même chose, hop là. Merci effectivement à Dodinette de partager cette création avec nous et de la faire en direct avec Tissus des Ursules. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre méga store à Givors. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? Oui, okay. Récap de tissu pour l'intérieur et... Regarde des tissus. Alors, pour l'intérieur, c'est du coton. Vous pouvez choisir n'importe quel coton. Là, c'est un coton imprimé. Ou de la popeline, c'est possible aussi, mais ne prenez pas un tissu épais. Et donc, c'est le tissu, celui-là, futon, si c'est ça que vous vouliez savoir. Donc, vous vous retrouvez avec une pièce comme ça, qui doit être ouverte au centre. Alors, moi, j'ai un peu rétréci, parce que j'ai fait un point arrière un peu loin, mais c'est pas grave. On va voir. Vous pouvez récupérer le patron gratuit donc sur le site tissusdesursules.fr, donc www.tissusdesursules.fr. Sur la page d'accueil, vous cliquez et vous pourrez le télécharger. Donc du coup ici, ce qu'on va faire à cette étape, on va ouvrir nos marges de couture. Donc on va se placer au dos et on va venir ouvrir la marge comme ceci. Et moi là, je vais passer au niveau du fer à repasser, je vais venir bien repasser ma marge de couture ouverte. Hop, donc Facebook, comme j'ai un pied qui est fixe, je ne vais pas me déplacer, mais vous allez me voir, c'est là-bas. Regardez, je suis juste là, d'accord? Et je vais vous montrer le résultat. Hop. Merci. Donc, il est très chaud. Il est très chaud, on va éviter de se brûler. Donc ici, au niveau de la marge, donc j'ai qu'une chaussure, c'est normal, hein, je ne sais pas coudre avec deux chaussures. Je vais préciser, donc j'ouvre ma marge et avec mon fer, je viens en fait repasser tranquillement. Parfait. Pour garder ma marge ouverte. Voilà. Donc je veux, c'est pour limiter aussi les épaisseurs par la suite. Donc Facebook, je vais venir vous montrer ce que ça donne. Hop. Me revoilà. Donc ça donne ça. D'accord? Voilà. Donc déjà, je tiens à dire... Souvent, quand je suis en direct, je ne coupe pas super droit, donc il ne faudra pas m'en vouloir parce que j'ai un peu la pression quand même. Donc, ma pièce de doublure, elle est terminée. Je peux la mettre de côté. Pareil, Émilie, t'as qu'une chaussure. Bah oui, c'est comme ça. Alors, ensuite, on va maintenant s'occuper de notre pièce centrale. Donc, c'est la pièce extérieure CE. Je vous remonte le patron. Bon, vous êtes à l'envers, mais comme ça, vous le voyez.
Hop. Et normalement, votre pièce, donc moi, elle est en 6 mm. Moi, je vous avais conseillé d'utiliser un tissu sans motif parce que la pièce, elle va être pliée. Elle va faire l'avant, l'arrière. Si vous avez un tissu avec un sens de motif à respecter, pour l'instant, on s'en fiche. Je vous donnerai des indications tout à l'heure. Merci, Cassandre, t'es trop mignonne. Alors, pas de questions, tout va bien? Parfait. Normalement, j'avais mis des repères que je n'ai pas là, donc je vais les remettre. Il faut parler plus fort, on peut vous entendre. Alors, le lien du patron, il est sur le site de Tissus des Ursules, tissusdesursules.fr. Soit vous arrivez sur le slide et vous cliquez. Si vous ne le trouvez pas, sinon il est sur blog.dodinette.com. Hop. Donc, je remets mes petits repères parce que, entre-temps, j'ai cousu un prototype dedans, donc j'ai plus ma pièce de la découpe. Donc, je vous remontre. Ici, vous avez deux repères à placer. Le premier ici, en haut, et le deuxième en bas, d'accord? Vous avez un repère de placement de rabat, mais ce n'est pas la peine de le mettre, parce qu'on va pouvoir se débrouiller autrement. Si vous l'avez mis, très bien, tant mieux. Coucou Joanne, c'est pour toi ce petit patron. Alors, votre pièce, normalement, vous avez aussi au dos l'emplacement de la pression. C'est important de la mettre. Si vous ne l'avez pas mis, ce n'est pas grave, on pourra la mettre après. Vous voyez là, elle est là. Ok? Hop. On pose la question du projet. Alors, c'est un projet couture surprise mystère, donc je ne vous répondrai pas, vous allez voir au fur et à mesure. Et ça peut être une idée cadeau pour les fêtes. Tout à fait. Alors, il a été testé par les testeuses, les Dodi testeuses, elles en ont cousu plein, elles ont beaucoup aimé. Donc, j'espère que vous aimerez autant qu'elles. Vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à prendre des photos pendant le live de ce que vous êtes en train de faire, ce que j'ai envie de voir. Et après, on vous expliquera à la fin de ce live. On a une surprise pour vous avec Tissus des Ursules. Ces photos pourront vous servir, vous verrez. Allez, on y va. Donc, on a notre pièce centrale. On est à plus de 1000 personnes sur Facebook. Et ben, je suis très contente de vous voir tous. Alors, on a cette pièce centrale et on va venir la décorer avec le biais. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire « Ah non, du biais, je ne sais pas poser du biais, quelle horreur, c'est horrible. » Rassurez-vous, c'était pour vous induire en erreur parce qu'on ne va pas s'en servir comme du biais, mais comme un ruban. Donc, on va le coudre à plat. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir besoin de le plier, de faire des choses en arrondi, quoi que ce soit. Ça va être facile. Si vous avez déjà un biais qui est déjà pré-plié, parce qu'il y a des biais qui ne se vendent pas à plat, il faut le repasser avec votre fer à repasser pour qu'il soit plat comme ceci, avec les petits repères de rentrée derrière, enfin les petits côtés. Si vous avez des tout petits côtés comme ça, certains biais sont plus petits, c'est pas grave du tout, d'accord? Vous gardez votre biais bien à plat. Le but, c'est de ne pas avoir le bord franc ici, qui soit tout au bord. Il faut vraiment avoir le tissu replié en dessous. Valérie, c'est pas grave, tu nous regarderas en replay, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on avait des questions? Non. Tout va bien? Parfait. Est-ce qu'un biais de 2,5 cm est trop épais? Non, tout va bien, merci. Non, non, la largeur, ce sera juste qu'il sera plus large, mais il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'on va faire. Ici, vous avez votre repère en haut. Moi, j'ai fait un petit cran, mais vous pouvez mettre aussi un petit trait, ce n'est pas un problème. On va venir prendre le biais. Je vais vous retourner la caméra parce que là, c'est pas pratique pour moi. Je vais vous remettre en place. Voilà. Hop. J'enlève juste ça parce que c'est pas joli du tout. Alors, je vais venir ici centrer mon biais. Donc, soit comme moi, vous avez le repli qui est au centre. Si vous n'avez pas de repli au centre, je vous montre simplement. Vous pliez le biais en deux. Et ici, vous faites un petit cran au milieu, mes petits. Hein. Est-ce qu'un ruban classique peut faire l'affaire? Tout à fait. Moi, je vous conseille de prendre un ruban qui soit un peu plus large parce qu'on va mettre une pression dessus. Donc, regardez la largeur de mes pressions qui sont là. Si vous avez un petit ruban de 1 cm, ce ne sera pas forcément très, très joli. Après, si vous n'avez que ça, on fera avec. C'est alors, pas j'ai grave. Une petite question de Canessa. Peux-tu montrer la pièce doublure afin de voir quel côté tu as assemblé? Alors, la pièce doublure, simplement, elle est comme ça. J'ai assemblé le bord qui était droit en bas. D'accord, je l'ai assemblé à 1 cm et ensuite j'ai ouvert ma marge de couture. Simplement, je vous remontre avec le patron. Ici, j'ai mis les deux pièces endroit contre endroit et je suis venue faire une couture ici sur les côtés et j'ai laissé le repère d'ouverture ouvert. Et j'ai bien ouvert ma marge de couture. Alors, de rien, Canessa. Là, je vais venir placer le milieu de mon biais au milieu de ma pièce. C'était mon petit repère de tout à l'heure, ici. Et je vais venir placer des pinces. Donc ça, c'est l'étape. Si vous voulez que ce soit bien droit, j'arrive pour la question. Vous y allez tranquillement, il faut bien prendre votre temps. Oui. Pour Anne, mon biais fait 24 cm au lieu de 25. Est-ce que ça ira?
Je pense que ça ira, Anne, parce que j'avais fait un tout petit peu plus large. De toute façon, on va le faire en deux fois. Donc, fais déjà cette pièce. Et si besoin pour le rabat, ben, tu prendras autre chose. Ou tu ne mets pas de billet, tu n'es pas obligé. Donc, une fois que j'ai aligné en haut, je viens jusqu'en bas, ici. Et là, j'ai mon petit repère aussi. Donc, je vais venir mettre mon billet bien à plat et je vais le couper. Moi, j'ai plus que 25 cm là. On peut couper un peu plus loin pour être sûr. Je rappelle, les marges de couture vont être de 1 cm ici, en haut et en bas. Donc pour Anne, toi par exemple, ton rabat, s'il te manque un petit peu, ben, tu décaleras un petit peu ton biais simplement et il disparaîtra dans les marges. Donc pareil ici, j'ai mon repère, je viens placer hop, le milieu du biais. Alors j'essaye d'être droite, à la maison vous pouvez mesurer si vous voulez l'espacement des côtés. Là moi en live c'est un peu plus compliqué. Oui, une question. Pour Sylvie, combien de temps dure la couture? Alors la couture... Si vous y allez tranquillement à la maison, honnêtement, en 30 minutes, c'est faisable. Mais là, avec toutes les questions, je pense qu'on va mettre un peu plus de temps. Où est-ce qu'on peut retrouver le... Le replay, on va le trouver sur ma page Facebook et sur l'IGTV de Tissus des Ursules. Mais rassurez-vous, ensuite, je téléchargerai la vidéo. Vous la trouverez sur YouTube sans problème. Il y a Nathalie qui demande à ce que vous montriez l'endroit de la pièce CE. Bah, c'est celle-ci. C'est l'endroit de la pièce CE. Je te remontre, Nathalie, si tu n'as pas vu. On place... au niveau des repères, là, ici, en haut et en bas. Toi, j'ai centré mon biais comme ça. J'ai la Dodi Team qui t'envoie plein d'encouragements. Ils sont gentils, ma Dodi Team. Donc là, oui. Question pour Natacha, de quel côté on positionne le biais? Eh bien, on le positionne de haut en bas, sur la partie extérieure. Ça, c'est du simili, vous voyez, ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'envers. Voilà, juste entre les deux repères. Ensuite, pour être sûr d'être droite, là, soit vous utilisez du masking tape à la maison, vous savez, c'est un sorte de scotch coloré. Vous pouvez scotcher pour ne pas abîmer votre simili. Moi, je vais prendre une épingle et je vais le faire comme ça. Comme ça, je n'abîme pas mon simili sur les côtés et je suis sûre d'être droite. Coralie, si tu as une marque au milieu de ton biais, il faut que tu le repasses tranquillement. Utilise un fer pas trop chaud et j'ai fait des tests à la maison. Normalement, ça se passe bien. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde est prêt pour cette étape? Oui, le biais vient aussi de Tissus des Ursules, Sylvie. C'est un biais qui est métallisé, qui est vraiment chouette. Et il est facile à coudre en plus. Ils ont plein de couleurs. J'ai choisi celui-là pour faire une petite touche. Mais je voulais aussi du doré. Mais on m'a dit, ce sera mieux ça. Alors, on est resté dans du rose gold. C'est bon pour vous? Allez, on y va. Allez, bienvenue Isabelle. Donc du coup ici, là, on va faire une piqûre au plus près possible du bord. D'accord? Je vais vous zoomer un petit peu sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est pas centré. Donc, pour être au plus près du bord, je vais vous montrer comment je vais positionner mon pied. Je vais me prendre, il est tout seul, il a travaillé, un repère sur le pied, d'accord? Donc par exemple, moi mon repère c'est au plus près là au milieu. Et je vais venir aligner mon repère au bord et je vais venir me décaler l'aiguille un maximum à droite. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez décaler, vous n'êtes pas obligé d'être pile à ras, vous faites tranquillement comme vous voulez. Bonjour. Hop. Du coup, je m'installe et là, je vais venir allonger mon poing pour avoir quelque chose de plus joli. C'est une surpiqûre en fait. Il y a Véro qui demande si on doit déplier le biais. Oui, alors Véro, si ton biais est déjà plié, comme je disais tout à l'heure, comme ceci, d'accord, il faut que tu le mettes à plat et que tu le repasses un petit peu pour avoir quelque chose de plat. Alors, on va venir placer notre pied au début. Donc moi, je vais faire comme ça. Et je vais, donc j'ai allongé mon poing, je suis à 3,5. D'accord? Vous faites comme vous voulez, à 3 aussi, ce sera joli. Moi, j'aime bien les poings allongés. Et là, je vais venir décaler mon aiguille le plus à droite possible. Hop! Et je vais planter. Donc là, c'est une étape où il faut y aller tranquillement parce que cette couture va être visible à l'extérieur de l'ouvrage. Oui. Question, de quelle couleur est le fil? Alors là, mon fil, j'ai pris un fil qui est assorti au biais. Comme ça, il ne se verra pas trop, tout en étant joli. Si je ne suis pas trop droite, ça ne se verra pas. Et c'est un fil Made in France de chez Tissus des Ursules. J'utilise souvent en plus cette collection-là. Allez, on y va. Oui, 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 vous êtes en miroir. Hein. Moi, je suis à... on est en miroir. Donc, on y va tranquillement. Donc, je peux faire un point avant-arrière. Je ne suis pas obligée, mais je vais le faire quand même. Voilà. Je vais essayer de retirer. Bon, mon fil, il partira après tout ça. Et donc, j'enlève au fur et à mesure les petites épingles. Idéalement, il aurait fallu les mettre comme ça. Les miennes, elles sont moins grosses, donc je les laisse, mais là. Et donc, je vérifie que je suis toujours bien à droite. Du coup, à gauche, si vous êtes en miroir. Et j'y vais tranquillement.
Là, le but, c'est juste que le biais reste en place. C'est une petite décoration pour notre ouvrage. Je ne suis pas sûre que je suis très droite, mais vous ne m'en voudrez pas. Quand j'arrive au bout, hop, j'enlève mes petites pinces. Je plante. Quand j'ai planté, je peux soulever le pied. Il n'y a pas de problème, je ne perds pas mes points. Je tourne. Là, cette couture va disparaître. Donc, si elle n'est pas droite, on s'en fiche complètement parce qu'on va avoir une marge à 1 cm. Question de Lulu. Est-ce qu'on doit utiliser un pied spécial? Alors, moi, j'utilise un pied téflon parce que je travaille du simili-cuir. Si ta machine, Lulu, tu es habituée à travailler avec un pied classique, tu peux aller avec le pied que tu as d'habitude. Hein. Là, on n'a pas trop d'épaisseur encore à ce stade. Et Nancy demande si elle peut faire un point fantaisie le long du biais au lieu d'une piqûre au point noir. Eh bien, c'est une très bonne idée, Nancy. Je pense que ce sera très joli. Voilà. Hop. Et je termine, mais je ne suis pas obligée de tourner là. Un petit point avant-arrière. Et je viens couper mon fil. Est-ce que ça va pour tout le monde? Hop. Donc moi, je vais venir couper là mon petit biais qui dépasse. On n'est pas obligé. Et donc, j'obtiens cette pièce-là. Donc, ça, c'est ma pièce centrale qui va être vue à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? Parfait. Alors, on va venir travailler sur ces pièces qui vous ont tant posé question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Alors, ce sont ces pièces-là. C'est la pièce S1 et S2. Alors, c'est la même pièce, certaines l'ont vue, que j'ai mis en miroir, en fait. Mais c'était pour vous éviter de vous dire de couper en miroir parce que, des fois, ce n'est pas évident à suivre un plan de coupe. Donc là, on va venir les positionner sur les côtés et nous, ce qu'on veut obtenir, c'est cette pièce-là. D'accord? Hop, je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Donc là, la chose importante à laquelle il faut faire attention, voyez-moi, mon motif n'a pas vraiment de sens, mais si vous utilisez un tissu qui a un motif, il faut qu'il soit dans le même sens. C'est-à-dire que là, si j'ai le haut du tissu là et le bas, ici, par exemple, si j'ai un bonhomme, la tête, les pieds, de l'autre côté, la tête, les pieds dans le même sens. Ne mettez pas à l'envers. C'est juste ça. Hop, donc on vient placer de chaque côté une pièce endroit contre endroit et j'aligne bien le bord. Alors, il y a une question. Question de Sonia, vous avez fait tout le tour pour le biais. Alors Sonia, moi j'ai fait juste là, mais on n'est pas obligé. Moi, c'était juste pour pas couper mon fil. C'était plus parce que je suis un peu flemmarde. Mais non, il faut juste les deux longueurs parce qu'ici, on va avoir des coutures, donc ça va disparaître. Hop, je replace mes petites pinces. Alors là, il peut se passer un petit décalage parce que ça peut glisser sur le simili. Donc moi, je vous conseille de mettre vos coups de pinces. Il est possible que j'ai un décalage parce que ça m'arrive tout le temps. Intrigante cette forme, dit Axel. Et oui, ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors certaines ont trouvé, hein, donc je compte sur vous, ne dites pas. Gardons la surprise pour la suite. Hop. Cathy qui redemande où est-ce qu'on trouve le patron? Alors, Cathy, on trouve le patron sur le site de Tissu des Ursules, tissudesursules.fr, ou sur le blog. Mais je pense que la modération d'Audinette va te répondre à l'écrit en te mettant le lien. Merci, monsieur d'Audinette. Hop, voilà. Donc là, je suis prête à coudre ma pièce centrale. Alors, j'attends que vous placiez vos pinces. Marine, c'est ma machine d'habitude que j'utilise. Alors, j'attends que vous soyez prêtes et prêts parce qu'il y a des hommes aussi qui cousent le projet. Donc, on est comme ça. On est endroit contre endroit. Et je répète, on doit avoir les deux côtés dans le même sens. C'est très important. Mel Capel, on va coudre un ouvrage surprise. Donc, tu n'as pas loupé le début parce qu'en fait, oui, on a commencé à coudre. Mais personne ne sait ce qu'on va coudre à part nous ici. Donc là, on va faire deux coutures. D'accord ? La maison du corbeau, regarde, bienvenue la maison du corbeau. Deux coutures au point droit, d'accord, sur chaque hauteur, là, à 1 cm de marge de couture. Donc, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je viens placer mon pied au bord, d'accord. J'aligne bien le côté. Et comme tout à l'heure, j'avais déplacé mon aiguille, je pense à la remettre au milieu. C'est important, sinon vous n'allez pas coudre à 1 cm. Ensuite, là, mon point, du coup, est revenu à 2,5. Moi, je vais me mettre à 3 parce qu'il y a un petit peu de simili, mais pas beaucoup. D'accord? Hop! Donc, je plante l'aiguille. Important, là, j'essaye de rester bien droite dans ma couture. Si jamais que je vois du jeu décale, on ne sait jamais. Je plante l'aiguille, je soulève mon pied et je me remets dans le bon sens. OK? Tac.
Message pour monsieur Dodinette, est-ce que tu peux nous mettre aussi le lien vers Tissu des Ursules en commentaire si tu l'as bien sûr. On va nous mettre. Ah super, parce que c'est plus facile pour cliquer. Hop, hop. Donc je commence ma couture, je pense à mon point avant-arrière, au début c'est important. Hop, et on y va. Donc je couds tout le long. Donc c'est là que je vous disais, attention au décalage, donc j'y vais tranquillement. Je pense que il est un peu en train de glisser ma pièce, mais c'est pas grave. C'est les joies du direct. Et je vais jusqu'au bout. Je pense à mon point avant-arrière. Oh, ça va, j'ai un décalage de 2 mm. Ça y est. Ouf, pression. Hop. Voilà. Donc j'obtiens ceci. D'accord. Donc ma pièce, elle est cousue. Et hop là. Merci beaucoup, Christine, c'est très gentil. Alors, une fois que j'ai fait cette couture-là, je vais venir faire l'autre. Hop. C'est pas grave, Laurent, si tu as raté, reste avec nous pour voir ce qu'on va faire. Pose tes questions et tu pourras regarder le replay. Il est sans limite dans le temps. Vous pouvez le coudre, le recoudre plein de fois. Donc, je fais la même chose ici. Est-ce qu'il y a des questions? Tout oui, va bien? Laure demande si les marges de couture sont de 1 cm. Oui, tout à fait, Laure. Elles sont toutes comprises dans les pièces du patron. Oui, c'est le biais, Laurence, que j'ai cousu au centre de haut en bas et j'ai aligné le milieu du biais sur les repères. Alors, on y va? Donc, pareil, là, je pense à mon point avant-arrière. Donc, c'est très important pour ces pièces d'utiliser du coton. Hein. Surtout parce qu'on va avoir de l'épaisseur par la suite. Voilà. Est-ce que tout va bien pour vous? Alice, reste avec nous pour découvrir l'ouvrage et tu pourras le faire en replay, ne t'inquiète pas. Hop, il n'y a pas de questions, tout va bien? Ok, donc là j'obtiens, comme vous disiez, un très beau papillon. D'accord, donc là je vais revenir, je vais aller juste repasser ma pièce. Alors attention, je ne repasse pas mon simili, sinon il va fondre. Je vais venir juste repasser la pièce pour plaquer la marge de couture qui est ici. Derrière la pièce du côté, comme ceci. Donc je reviens tout de suite. Ah, merci monsieur Dodinette, il vous a mis le lien vers Tissu des Ursules aussi. Merci. Donc je retourne à mon petit fer à repasser là-bas, toujours avec ma seule chaussure. Hop. Et je reviens. Les bords, si vous passez sur le simili, mettez un morceau de coton hein, pour le protéger. Moi je vais faire en sorte de ne pas passer dessus. Hop. Il y a des dames qui nous annoncent leur arrivée au magasin. Ah bah venez, venez, mais on n'a pas fini. Hein. Hop. Voilà, donc j'obtiens ça. Peut-on remplacer le biais par de la dentelle? Oui. Question de oui. Françoise. On peut, Françoise, remplacer le biais par tout ce qu'on veut qui peut être joli. Et à la place du simili, peut-on utiliser de la suétine? Oui, tout à fait. Tout ce qui peut vous plaire, qui a un peu de maintien sans être trop épais. Attention, hein, la suétine, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. C'est tout. Je vais essayer de ranger parce que je vois que j'ai mis le bazar comme et chez moi. Et comme je notifiais, c'est un projet idéal pour utiliser les chutes de tissu. Oui, aussi. Zéro déchet. Tout à fait. Donc, on se retrouve comme ceci, d'accord? Et derrière, vous avez vos marges de couture qui sont vers l'extérieur. Elles n'ont pas bougé. C'est les pièces qui sont venues par-dessus. Aurélie demande si vous allez surpiquer les coutures. Eh bien, non, pas tout de suite, Aurélie. On ne les surpique pas, sinon on va avoir trop d'épaisseur tout à l'heure. Donc là, on va poser notre pression. Alors, c'est une grande première pour moi parce que je ne connais pas cette pince, mais on va se débrouiller. Donc, ici, j'ai un petit repère. Vous le voyez, c'était le repère de pression. Donc, je vais sortir mes petites pressions. Moi, j'ai choisi du doré pour les fêtes. Et on va prendre un dessus de pression et la pression femelle. Alors attention à cette étape, ça c'est important. Si vous avez utilisé un tissu à motif ici, d'accord, il faut savoir que la pression qu'on va poser, elle va se retrouver sur le haut, puisqu'on a un rabat qui va venir dessus. Donc il va falloir choisir, si vous voulez, sur l'avant de la pochette, avoir le motif ici, ou si vous, comme il y a le rabat, il sera un peu caché, ou l'avoir dans le bon sens au dos, d'accord? Donc, si vous avez un motif, la pression se trouve dans le sens du motif. Hop! Donc, je viens ici. Si vous voulez renforcer la pression, je n'ai pas gardé de chute de simili.
Je vais vous donner une petite astuce, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. C'est dans ma valise. Donc, je vais venir avec ma pression traverser au niveau du repère. Donc, je vérifie quand même que mon repère est au milieu du biais. Si j'ai décalé un peu mon biais, je peux peut-être décaler un petit peu. Mais pas trop, parce que mon rabat doit être en face quand même. Je viens, je traverse, donc de la partie envers vers l'extérieur. Je ne suis pas sûre d'être très centrée, mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, je récupère mon petit pic. Et ici, je viens passer la pression femelle. Je ne suis même pas du tout centrée. Karine a relevé un mot. Oui, mais c'est... Oui, mais non, parce que Karine, j'ai rigolé moi-même. Ce ne sera pas vraiment ça. Oui, c'est un mot, mais ce n'est pas vraiment, vraiment ça. Bon, on va dire que je suis centrée, mais pas du tout, en fait. Évitez de faire un truc trop moche. Hop. Mais c'est bien, vous êtes attentive, c'est bien. Est-ce que quelqu'un peut me passer la pince, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc là, je vais venir placer ma pression, d'accord? Donc, vous pouvez rouler un tout petit peu le bord du simili. Hop. Donc, toute la mercerie, vous pouvez la retrouver dans nos 63 magasins tissus des Ursules ou sur notre site internet. Donc, je place le dessous là et j'appuie. Porte-monnaie peut-être, donc c'est une pochette. Surprise. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas une culotte. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Moi, mon astuce était de mettre un petit morceau de simili-cuir là au dos de la pression. Je ne vous l'ai pas dit en même temps. Pochette? Non, pas pochette. Vous verrez, vous verrez. Alors, on est là, on est prêt. Donc, notre partie extérieure, elle est terminée. Bravo, félicitations. Et maintenant, on va préparer notre rabat. Donc, notre rabat, on avait deux pièces. Il faut juste que je retrouve dans mon bazar mes pièces. Voilà. Et nous avons ici la partie extérieure et la partie doublure. Alors, deux options. Je vais vous tourner puisque vous n'êtes pas très en face. Est-ce qu'on a des petites questions déjà? Une petite pochette pour mettre des chocolats sur la table de Noël. Ça pourrait être une bonne idée. Mm-mm. On aurait pu y penser. Est-ce qu'on fait des envois en Belgique, tissu des Ursules? Oui, tout à fait. Alors, hop, là, c'est mon rabat extérieur et j'ai mis deux petits repères. Donc, vous avez deux options à ce niveau. Vous savez, moi, j'aime bien changer plein de choses et qu'il y ait des variations. Donc, soit vous utilisez le tissu extérieur à l'extérieur du rabat. Oui, il y a une question. Laurence, tu as entoilé le coton de doublure? Pas du tout, parce que je ne veux pas avoir d'épaisseur, ça c'est important. J'entoile mon coton uniquement s'il est à l'extérieur du projet. Donc deux options, soit j'utilise... Ah, Véro, la pièce femelle, c'est la plate? Alors, c'est celle qui a un trou. Moi simplement, j'ai expliqué ça à ma fille l'autre fois, je trouve ça rigolo. En fait, il y a deux. Il y a... Ça c'est la mâle, vous voyez, parce que ça dépasse. Hein? Et femelle, c'est celle en fait qui est incurvée et dans laquelle la mâle va venir clipper. Après, si vous échangez, franchement, ce ne sera pas dramatique non plus. Tant qu'elles peuvent se mettre ensemble, c'est bon. Alors, pour le rabat, je disais, soit on utilise le tissu extérieur, donc ça à l'extérieur du projet, d'accord? Soit j'utilise le coton. À cette étape, vous faites comme vous voulez. Mais rappelez-vous, attention à notre plan de coupe, on avait découpé notre coton dans ce sens-là, parce qu'on se disait que quand ça va s'ouvrir, on va avoir le motif dans le bon sens, d'accord? Donc, soit... Votre motif n'a pas de sens et on s'en fiche. Soit vous en avez un sens et là, on utilise du simili. Mais pour les prochaines, vous le saurez. Donc moi, je vais rester sur du classique. Voilà. Peut-on remplacer le bouton pression par autre chose? On peut utiliser... Alors, si vous utilisez un fermoir magnétique, le problème, c'est que comme on va mettre le rabat en dernier et qu'il sera fermé, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez avoir du mal à le placer. Donc moi, je mettrai peut-être un scratch, ça, c'est possible. Un fermoir magnétique, quand vous maîtriserez le patron, vous pourrez le faire toute seule, mais là, ce n'est pas possible. Un petit ruban, mais alors un petit ruban, ça risque d'être compliqué. Il faudrait peut-être, je réfléchis, bah, il faudrait coudre un ruban au niveau de la pression ici et le faire dépasser. Et après, venir coudre un petit ruban au niveau du rabat ici et le faire dépasser pour nouer. Ça, c'est possible. Alors, même chose, même combat. On choisit notre tissu extérieur. Donc moi, je vais rester sur ça. L'image est devenue très pixelisée. Alors... À flûte. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais venir ici. Est-ce que c'est mieux, la bonne fée? Positionner mon biais pareil. La même chose que tout à l'heure, rappelez-vous, on avait fait ça. On va faire pareil sur le rabat. Oui. Peut-on utiliser du jean à la place du simili-cuir? Oui, on peut si le jean n'est pas trop épais. Alors, je vous dis ce qui se passe. En fait, nous avons du public qui arrive derrière nous. Donc, bonjour à toutes. Bienvenue. Hop. Thibaut, tu peux réviser ce que ça donne sur... Alors, ici,
Même chose, j'avais mis un petit repère au niveau du rabat, donc j'aligne le biais au milieu et je vous ai fait normalement pendant les découpes rajouter ce repère que j'avais oublié. Donc pour tracer ce repère, alors, simplement, c'est pixelisé du côté de l'Instagram. Dans le bas, c'est pas un problème de réseau. Je plie ma pièce en droit contre en droit ou envers contre envers pour en avoir le centre. Et ici, je peux faire un tout petit cran. Alors pourtant, moi, à côté, ce n'est pas pixelisé de notre côté. Dites-nous. Ah, peut-être que c'est un problème de connexion. On a peut-être eu un petit problème de connexion. On voit Dodinette, mais très mal ce qu'elle fait. Si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Hein, dites-nous là. Sur les chaises. Hein. C'est bon ? Bon, parfait. Si vous voulez vous asseoir par on là, vous pouvez. On a peut-être des petits problèmes de connexion. Ah oui, on voit mieux là. Tissu des Ursules de Givors. Parfait. Alors, allez, on est reparti. Donc, exactement comme la partie extérieure, d'accord, on place notre petit biais centré sur la pièce de rabat. Donc, super, en bas. Super, merci pour vos retours. J'ai refait un petit repère. Donc, si vous n'avez pas entendu Instagram, parce que vous ne voyez pas très bien, ce repère-là, j'ai oublié de le mettre sur le patron. Donc, simplement, vous pliez votre pièce en deux et vous marquez le centre, tout simplement, pour vous aider à placer le biais bien droit. Donc, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je place. Hop, mes petites pinces et je viens coudre au point droit, donc au plus près possible de chaque bord, comme tout à l'heure. Alors, on a une question de oui. Anne qui avait tout à l'heure son biais de 24 cm. Oui. Elle demande si du coup, comme son biais est plus petit, si la couture sera en haut. Alors, la couture, elle sera en haut et en bas, mais Anne, si il te manque, je pense, 1 cm, simplement décale ton biais à 0,5 du bord, comme ça. Tu vois, en haut et en bas, répartis ton centimètre qu'il te manque parce que nous, on va coudre à 1, donc ça va disparaître. Ou alors, ne place pas de biais, ça peut être aussi très joli. Certaines testeuses n'en ont pas mis. Parce que le patron de Joanne va sortir sur la boutique là, dans la foulée et vous verrez un peu ce qu'elles ont pu faire. Alors, on se place pareil. Il n'y a pas d'autres questions ? Non. Sur Instagram, ça va ? Tout est bien. Parfait. On y va. Bonne technique, la chaise, c'est une bonne idée. Hop ! Donc, je vérifie ce que je fais. Comme tout à l'heure, je place mon pied au bord, d'accord ? Ici. Ah, sur Facebook, vous n'êtes pas du tout centré, ça ne va pas du tout cette histoire. Est-ce qu'on peut rappeler où on peut trouver le replay ? Alors, le replay, vous allez le trouver sur ma page, les tutos couture de Dodinette, sur l'IGTV de Tissu des Ursules, si on ne dépasse pas une heure, sinon ça va être... Ah si, non, c'est bon, c'est une heure et demie maintenant, donc c'est bon. Et moi, en rentrant ce soir, je vais le télécharger. Et je le mettrai sur ma chaîne YouTube et Tissu des Ursules le mettra aussi sur son site, donc vous le trouverez sans problème. Et sur notre page YouTube également. Eh bien, parfait. Du coup, je fais mon point avant-arrière, c'est exactement comme tout à l'heure. Alors là, j'ai commencé trop loin, hein, donc ça ne va pas être formidable, mais comme je vous parle en même temps, je ne suis pas très attentive à ce que je fais. Et même chose, j'essaye d'être au plus près possible du bord. Idéalement, j'allonge un peu mon point. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais planter là, mais je ne suis pas obligée. Hein. C'est juste pour ne pas couper mon fil, parce que moi, je suis partisane du moindre effort. On est en retard, là, sur le... 1h20. Non, ça c'est va. Pour regarder moi en IGTV. Ah ça... oui, non, mais ça ira, ça ira. Je crois même que c'est 2h. Hein, je... Donc oui, comme on le disait, Marmotte, il y aura un replay disponible sur l'IGTV Tissu des Ursules, le blog d'Odinette, les pages YouTube d'Odinette et Tissu des Ursules. Vous pourrez le trouver partout, ne vous inquiétez pas. Et dans tous les cas, même si ça passe pas en IGTV, si on est trop long, on pourra couper la vidéo et la remettre, donc on y arrivera. Alexandra donc. Demande si on aura une version PDF du tuto. Alors, la version PDF du tuto, elle va être vendue sur mon site, elle n'est pas offerte, mais vous pouvez suivre le live là, et si vous voulez la version PDF, il va sortir dans la foulée, et comme d'habitude, en combiné de trois tailles, avec une réduction, donc finalement, ça ne vous reviendra pas comme si vous l'aviez payé. Hop. Donc, mon rabat, je suis comme ça. Et là, je vais venir simplement assembler ma doublure. D'accord ? Tac. Donc, endroit contre endroit. Et je vais venir... On a une question oui. De Amé. Si on met le tissu au-dessus plutôt que le simili, oui. Du coup, on met le biais sur le tissu ? Exactement. Vous mettez le biais sur la partie extérieure, d'accord ? Et ce ne sera pas gênant d'avoir le simili-cuir en doublure, ça va faire un maintien à la pièce qu'on n'a pas entoilée et ça ira très bien. Je vous montre le rendu final parce que j'ai triché, j'en ai fait d'avance. Je vous montre parce que là, vous imaginez bien votre rabat. Moi, j'ai fait ça hier soir. Voilà, donc ça vous donnera ça. Vous voyez, là, on est comme... là, c'est l'inverse de ce que je suis en train de faire pour vous donner un peu une idée. Donc, je place... mes deux pièces endroit contre endroit, j'aligne bien les bords. Faites attention à vous avec le fer,
qu'il soit pas, que vous brûliez pas en passant. Alors, tac. On y va. Donc là, je vais faire, donc je répartis bien ma pièce. Si elle dépasse un peu, j'aligne bien au mieux et de toute façon, je vais avoir 1 cm de marge de couture sur le tout. Donc là, je vais venir coudre mon rabat. Donc on va faire une couture au point droit, mais on ne va pas ouvrir, on va pas fermer le haut. C'est important pour retourner. Je vais faire une couture au point droit, donc je pars du haut. Je vais venir planter mon aiguille ici pour pouvoir tourner. Hop, je continue au point droit, je plante. Je peux tourner et je fais ça sur tout le tour de ma pièce jusqu'en haut. Cette partie-là va me servir à retourner, c'est important. Oui, vous pourrez voir le live en replay, Sylvie, ne t'inquiète pas. Il sera disponible et sans durée, donc même si vous cousez dans 2 mois, il sera toujours là. Question, est-ce oui. que le patron est gratuit? Oui, il est gratuit et à télécharger depuis le site de Tissu des Ursules. Il faut l'imprimer en taille réelle et il est offert. Je remets mon aiguille au milieu comme je me suis décalée, c'est important. Et là, j'allonge un peu mon point à 3, mais honnêtement, c'est parce que moi, j'aime les points allongés parce que le simili caria, il n'a pas besoin vraiment d'un point allongé. Il est très agréable à coudre et il est fin. Pour ce projet, il est vraiment idéal. Donc du coup, je fais mon point avant-arrière. Lily demande si les marges sont toujours de 1 cm. Toujours. Partout, j'ai fait exprès pour que même les débutants puissent y arriver sans problème. Hop. Donc là, comme je veux tourner, je suis en train de faire du décalage, je vous parle en même temps, je plante l'aiguille. Quand l'aiguille est plantée, je peux lever et tourner. D'accord ? Vous pensez bien à planter votre aiguille à chaque fois qu'on a un angle franc, c'est important. Et je continue, donc je vérifie toujours que mon pied il est bien aligné au bord, ça aussi c'est très important pour avoir un rabat bien régulier. Vous avez vu, je suis en train de créer du décalage ici, c'est pas très grave, je vais le compenser. Parce que je vous parle en même temps. Est-ce qu'on allonge toujours le point avec le simili? Alors, normalement, c'est mieux d'allonger le point. Là, il n'est pas très épais. Donc, vous connaissez votre machine. Si votre machine a du mal à passer l'épaisseur, vous pouvez aussi réduire la tension du fil. Hop, je plante mon aiguille et je continue mon tour de rabat. Sonia demande si on peut remontrer la pièce où la pression a été mise pour voir dans quel sens elle est. Donc, elle est comme ça, Sonia, ma pièce, d'accord? Moi, j'ai un tissu sans motif, donc c'est en bas. Je te remonte la pièce du patron, ça donne ça, ok? Mais si toi, tu utilises un tissu à motif, c'est mieux d'avoir la pression en haut. Catherine demande si on peut utiliser le tissu doublure pour faire un biais assorti. Oui, tout à fait. Catherine, je l'ai fait sur mes prototypes. C'est très joli, c'est une très bonne idée. J'ai une équipe de choc, hein, je vous dis pas. Ils sont taqués sur leur téléphone, ils notent les questions, ils sont trop bien. Je vais les mettre dans ma valise, je pense. Hop, donc vous obtenez cette pièce-là. Non, Laurent, j'adore répéter. Moi, mon but, c'est que vous y arriviez. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, attends, vidéo en direct suspendue, reconnexion. Ah, alors on attend. Parce que je suis allée sur la table. Quelle idée ? Pour récupérer un lien. On attend Instagram de Tissu des Ursules. On va vous attendre. Il y a Laurie qui demande s'il y aura beaucoup d'épaisseur à passer parce que sa machine fatigue. Je ne sais pas. C'est ta machine. Alors, on va voir. Mais normalement, il n'y aura pas trop d'épaisseur. Attention, parce qu'on t'entend. Pardon. Alors, on se reconnecte. On a perdu la connexion avec Instagram, donc on vous attend. Si vous avez des questions en attendant sur Facebook, n'hésitez pas à les poser, je vous réponds. Et bien, si tu arrêtes, tu fermes ton Instagram. Non, tu crois? Tu en relances un direct, sinon. Mais tu penses à l'activer, le replay? Non? On a un petit souci technique. On n'a plus de questions sur Facebook ? Pour l'instant, non. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi ? Ah. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi comme tissu en attendant ? Alors, excusez-moi, aparté. Tu peux arrêter ton live, mais tu actives ton replay. Comme ça va faire sur ton IGTV. Terminer la vidéo. Terminé. Et là, tu fais... partager la vidéo. Voilà. J'attends.
On arrive, on publie la vidéo Instagram et on en lance une autre pour toutes celles et ceux qui étaient en ligne. On nous demande si on peut réduire les marges de couture à 0,7 cm. Sur le rabat, non, parce que le rabat, il va venir se placer sur la pièce extérieure et vous n'allez plus avoir de place. Quelle est la couleur du caria sélectionné? Ah, rose gold, je vous le remontre, je l'ai ici, il est très très beau. À combien est réglée la tension du fil? Alors moi je suis à 4. Pour le coton, généralement c'est entre 5 et 3, 4 c'est bien. Oui. Peut-on cranter les marges? Oui, nous allons le faire ensemble. J'attends juste le retour d'Instagram. Ça arrive, hein? Oui, oui, oui. Au moins on a la première partie qui est enregistrée. En tout cas, vous avez l'air contente et content, donc ça me fait plaisir. 1300 personnes. Oui, je vois. Oui, puis je vois plein de commentaires. Il faudrait d'autres live couture, c'est trop trop bien. Mais Véro, c'est prévu. Parce que moi, j'aime beaucoup être avec vous pour coudre. Allez, c'est reparti. Tu es là sur Instagram ? Ça alors, on attaque du coup la deuxième partie. Oui. Alors Instagram, tant mieux pour l'IGTV, c'est bien. Instagram, rebonjour. On a été coupé, donc je vous ai attendu. J'attends que vous arriviez pour continuer notre couture. Rassurez-vous, on n'a pas avancé. On a eu un petit problème technique. Tout va bien, les gens reviennent. Un peu petit à petit. Alors je vous attends. Donc nous, ce qu'on a fait, je vous fais un récap pendant que les gens reviennent. Ça sur Facebook, si vous êtes en retard. On a cousu, on a mis nos deux pièces de rabat endroit contre endroit. Et on a cousu au point droit à 1 cm sur tout le tour, sauf le haut pour retourner. Donc on est à cette étape et mon biais se trouve pris en sandwich entre les deux pièces, mon petit biais de décoration. Alors il y a une question. C'est quoi IGTV ? Alors, IGTV, c'est la télévision d'Instagram. Quand vous allez sur la page de Tissus des Ursules, sur Instagram, vous devez avoir un onglet IGTV et vous retrouvez toutes les vidéos qui ont été faites dessus. C'est en fait une sorte de replay. Bon, Corinne, je suis contente que tu sois contente. Instagram, c'est bon, on peut continuer? C'est bon, c'est parfait. Donc, on est à cette étape, d'accord? On a laissé le haut ouvert et on va venir cranter. On va venir dégarnir, en fait, les angles, d'accord? Donc, en fait, pour dégarnir, je viens couper de la matière dans les angles. Corinne demande s'il faut surfiler le coton. Non, il n'y a pas besoin, Corinne. Donc, vous pouvez aussi retirer de l'épaisseur si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais attention, ne coupe pas sa couture. Ce qui est important, c'est les angles francs comme celui-ci, de venir éliminer de la matière pour pas que ça nous gêne par la suite. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mon ouvrage. Si vous voulez prendre une chaise pour vous asseoir, vous pouvez. Hop, donc je retourne mon ouvrage et moi, vous allez voir, j'ai un super accessoire que j'ai piqué dans le rayon. J'ai une aiguille à tricoter, d'accord? Donc là, elle va me servir, je vais venir bien pousser mes angles et bien les ressortir. Si vos angles ne sortent pas, c'est que vous n'avez pas assez dégarni et je vous conseille de retourner pour recommencer, c'est que vous avez trop de matière. Parce que là, c'est important, ça va être le bord de notre rabat, il faut qu'il soit joli. Question? Oui. Question pour le ciseau, cranteur ou pas? On n'est pas obligé. Si on dégarnit, on peut utiliser... Alors là, je ne connais pas ces ciseaux, mais n'utilisez pas vos ciseaux de couture comme il y a du 6 mm. Si vous dégarnissez, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux normale. Quand c'est un arrondi, c'est mieux de cranter ou de faire des crans avec votre paire de ciseaux. Hop, donc on est là. Et à ce moment-là, je vérifie que j'ai bien sorti tous mes angles. Hello. C'est le backstage, on va voir une vidéo backstage. Alors ici, une fois... Oh oui, mais c'est chouette. Ici, quand j'ai bien tout sorti, je vais venir mettre des petites pinces parce que je vais réaliser une surpiqûre. Il n'y a pas de question, tout va bien? Tout le monde nous retrouve sur Instagram. Coucou tout le monde. Parfait, bon retour sur Instagram. Vous n'avez rien raté, oui. Dinette nous a attendu. On a juste retourné notre rabat et on a dégarni les angles avant, c'est tout. Donc là, je vais placer des petites pinces. Moi, ce que je vous conseille, ces pinces-là, elles sont super, mais de ce côté-là, le côté bombé, ça a tendance à marquer le tissu. Donc si vous mettez du côté du 6 mm, moi je mets toujours le côté plat et je vous conseille de les mettre pas trop loin, ça évitera d'avoir une grosse marque ici. Donc vous restez là. Question de Mag, oui. Peut-on mettre du biais sur le rabat? On en a mis Mag ici. Alors si c'est de la question, c'est du passepoil peut-être, si c'est la question passepoil et le rabat, sinon je n'ai pas compris ta question. Non, pour l'instant non, parce que le rabat il rentre pile poil, donc si tu l'élargis, ça va être compliqué. Ou alors il faut que tu mettes un biais et que tu le décales à 1,5 cm du bord. Hop, donc je place des petites pinces, c'est juste là pour pouvoir faire ma surpiqûre. Est-ce que vous avez deviné ce qu'on fait? C'est la question. Donc voilà, je suis prête et là je vais faire une surpiqûre sur mon rabat. Mon but c'est d'arriver à ça.
Donc, mon rabat, il est inversé, là, c'est normal, d'accord? Vous allez voir, ça plaque bien le bord. Là, le bord, il n'est pas super net. Donc, je mets l'extérieur vers moi, l'extérieur de mon ouvrage, parce que je vais avoir un plus joli point au-dessus qu'en dessous. Et je vais venir comme tout à l'heure. Là, mon but, c'est d'être le plus près possible du bord. Vous pouvez piquer à 0,5 si vous n'êtes pas très à l'aise. Je vous agrandis, hop, sur Facebook, je vous zoome un peu. Hop, voilà. Donc, moi, même chose que tout à l'heure, je prends un repère. Moi, c'est juste le bord intérieur de mon pied. Et je viens décaler mon aiguille, l'endroit qui m'intéresse. Une question, pourquoi avoir choisi du biais et pas un ruban? C'était pour vous induire en erreur, parce que je ne voulais pas vous dire ce qu'on va faire, et surtout parce que chez Tissu des Ursules, j'ai eu ce biais métallique, j'ai craqué dessus. Donc du coup, j'ai pris celui-là. On nous demande pourquoi faire des marges d'un centimètre pour les recouper ensuite. Parce que c'est plus facile pour les débutantes de coudre à un centimètre du bord, et je voulais que cet ouvrage il soit accessible à tous. C'était très important pour moi, c'est pour ça. J'allonge mon point parce que c'est une surpiqûre et là j'essaye d'être le plus droit possible. Donc, je fais un petit point avant-arrière et j'y vais tranquillement. Donc là mon piété-fond il m'aide à passer l'épaisseur, vous allez avoir un petit peu d'épaisseur à ce niveau-là. On y va tranquillement. Même chose que tout à l'heure, je plante mon aiguille, je peux tourner. Et à chaque fois que j'ai un angle franc, pareil, je plante mon aiguille. Alors, Tissu des Ursules ne sera pas au salon création et savoir-faire. Et Dodinette, est-ce que tu y seras? Alors, moi, j'y suis en visiteuse uniquement, en mode incognito. Alors, peut-être vous me verrez, je ne suis pas sur un stand. J'y vais jeudi et vendredi. Mais je vous redirai comment je suis habillée si vous voulez me voir. Hop! Parce que j'avais envie de visiter le salon, parce qu'à chaque fois, je ne vois rien. Hop! Donc, vous allez voir ce rabat. Il a une forme particulière, c'est parce que je trouvais qu'il était unisexe. Et ça va vous permettre de faire cette création pour hommes, femmes et même enfants. Le point élargi à combien? Alors, j'ai allongé mon point à 3,5. 3,5, mamounette. Hop. Je coupe mes petits fils. Ah, Facebook, je ne suis plus en face de vous, je suis désolée. J'étais partie sur le côté. Il n'y a pas de question, tout va bien? Non. Donc, à ces étapes, vous avez soit un rabat comme ça avec le simili-cuir à l'extérieur, soit un rabat comme ça. Avec le coton. Alors, je vous explique qu'on commence à avoir pas mal de public hein, à côté. C'est pour ça que je suis un peu distraite. Allez, hop. Voilà, donc vous avez là deux rabats. Vous choisissez comme vous voulez. Ça va pour les questions? Oui. Donc, on a bientôt fini, je vous rassure. On va pouvoir commencer à imaginer notre ouvrage. On va venir placer notre rabat. D'accord? Alors, je vais vous dézoomer parce que là, c'est trop gros. Vous n'allez rien voir du tout. J'arrive pas à vous dézoomer, c'est dommage. Voilà. Donc, je viens positionner mon rabat sur ma pièce. Donc, l'extérieur doit se trouver endroit contre endroit avec l'extérieur de mon ouvrage. Et je ne me mets pas du côté de la pression, c'est important. Sinon, je ne pourrais pas pressionner mon rabat. Et quand je vous disais que c'est ric-rac, vous voyez, il rentre pile poil entre les deux côtés. C'est pour ça qu'il ne fallait pas changer votre marge de couture. Je vais couper mes fils. Alors, du côté Instagram, est-ce que c'est pixelisé? Je pense que c'est le réseau. Et malheureusement, ouais, pixel. Écoutez, ça va revenir. Il n'y a pas, t'as pas de wifi. Réseau, Il n'y a pas de wifi ici. Oui, non, on est pas connecté. Alors, je viens aligner mon rabat en haut. Pied de téflon ou double entraînement pour le simili? Eh bien, comme vous voulez. Moi, j'ai un pied de téflon à roulette, donc il fait un peu comme un pied de téflon, un pied mal. Double entraînement. Mais vous pouvez utiliser le pied que vous voulez, c'est la même chose. Ça va revenir pour le réseau, on a eu le même problème tout à l'heure et ça s'est solutionné. Alors, je vais vous détailler plus ce que je fais sur Instagram si vous ne voyez pas bien. Donc, je place mon rabat endroit contre endroit sur ma pièce CE, entre les deux pièces de côté, d'accord? On ne voit pas très bien. J'aligne comme ça et ce qui est important, je vérifie que mon biais, il se trouve bien en face à face avec le biais du haut de pochette. Et oui, c'est le réseau, je suis désolée. Merci Laurence pour le tissu qui est magnifique. Alors, une fois que j'ai fait ça, je remonte bien et j'aligne bien les bords en haut. Est-ce que c'est mieux du côté des pixels Instagram? Hop là. Donc, pour résumer, on met notre rabat en haut du papillon, si c'est ça que... Donc, je vérifie bien, je suis bien endroit contre endroit et idéalement, il faut que mon biais soit très bien aligné. Donc, moi, je n'ai pas cousu très droit parce que voilà, je n'étais pas toute seule tranquille. Hop, voilà. Mais ça va aller quand même, d'accord? Donc, c'est bien important, la partie extérieure doit se trouver contre la pièce CE. Voilà.
On me demande par rapport à la taille des patrons, puisqu'il y a trois modèles de disponibles. Oui, ça c'est la taille 1, c'est la mini, voilà, c'est la plus simple, parce qu'en live on voulait faire simple. Vous verrez, je ne vais pas tout vous dévoiler, vous irez voir sur mon site les autres tailles et je vous ferai un live demain pour vous les montrer en vrai. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire une couture de maintien. D'accord, on n'est pas obligé de la faire, mais s'il y a des débutantes et des débutants, je préfère le faire. Donc on va faire une couture de maintien au point droit en haut à 0,5 cm du bord. Ce qui va se passer ensuite, quand on va assembler la doublure, on va venir coudre à 1 cm et du coup, cette couture va disparaître. Les explications sont super pour vous suivre. Eh ben, génial. Merci, Devinette. Merci beaucoup. Blandine qui demande si le biais est un petit peu décalé, il vaut mieux décaler le rabat. Blandine, je pense que ce n'est pas très grave parce que ça va se trouver, le décalage ici va se trouver au dos de la pièce, donc ce ne sera pas gênant. Si tu décales ton rabat, il risque de plus rentrer entre les pièces ici et de plus s'aligner sur ta pression qui est là. Donc peut-être continue comme ça. Si tu as un gros décalage, tu peux en faire un autre ou découdre un peu tranquillement après. Mais je pense que ça va aller. Je remets bien un aiguille au centre et là, je vais déporter mon pied ou déplacer l'aiguille comme vous voulez pour coudre à moins de 1 cm. Alors je vous ai dit 0,5, mais en fait, en réalité, c'est moins de 1. Pourquoi tu veux pas? Alors, attendez. J'arrive parce que ma machine a décidé de me faire un point fantaisie. Moi, je veux pas le point 11, je veux le point 1. Ah, il faut mettre 0,1. Ah, là, il est coquine. Alors, je fais un petit point avant-arrière. Hop! Je vais tout droit. Donc là, idéalement, il aurait fallu mettre quand même plus d'épingles ou plus de pinces pour ne pas avoir de décalage. Donc, je vais essayer de le tenir, de ne pas faire de projet. Vous savez savoir ce que c'est le projet? C'est un projet surprise. Vous allez voir à la fin. Est-ce que vous avez deviné ce qu'on fait? Certains, oui. Certains, oui. Mais vous n'allez pas voir tout de suite ce que ça donne. Bon, j'ai fait un peu de pli, je suis désolée. Hop. 1400 personnes. Vous êtes en forme. Hop. Si je ne fais pas le point comme il faut, c'est pas grave. Alors, voilà. Donc je me retrouve avec ma pièce extérieure qui est terminée et on a ceci. Voyez-moi, oh, je suis presque alignée, allez, ça va. Anne demande si on pique à 1 cm. Non, Anne, on fait une couture de maintien à 0,5 parce qu'on veut que cette couture disparaisse dans la marge de couture. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? Voir si on ne décale pas pour le bar à couture. De quelle heure? Midi? 1h45. Donc ça doit être le début. Là. Oui. Alors on va se speeder. Donc on est comme ça, ok? Et maintenant on va mettre notre pièce de doublure. Donc simplement notre pièce extérieure est terminée. Et je vais venir positionner. Il nous reste deux étapes et on a fini, rassurez-vous. Il restera la pression, j'activerai un peu après. Donc, je place mes pièces de doublure endroit contre endroit avec mon projet. Et j'aligne bien tous les bords. Alors, il est possible que vous ayez un mini décalage de genre 0,3 parce que j'ai vu hier que sur les pièces du patron, j'avais un mini décalage. Donc, si c'est votre cas, pas de panique. Ce sera compensé avec la marge de couture. Hop, je place des pins sur tout le tour. Alors, mettre bien correctement, c'est mieux. Je vous laisse épingler. Vous voyez, c'est ça, le mini décalage, ici. C'est pas très grave. Hop. Tac. Donc. C'est bien comme ça pour le bar à couture, vous avez les explications avant. C'est pratique. Alors je vais me tourner deux minutes pour vous montrer. Donc on est dans le magasin Givar et on a toutes les participantes, que des dames. Donc pour le bar à couture qui va ouvrir, donc, pour tester en exclusivité ce patron de Dodinette. Voilà, est-ce que c'est bon pour l'épinglage? Il fallait découper 4 pièces de doublure? Non, pas du tout, Amé, pas du tout. En fait, on a fait ça. Je réponds vite fait et après, il faut que je me dépêche de finir. Là, j'en ai une autre cousue parce que je fais toujours les choses d'avance. Il y a juste 2 pièces. On a une endroit contre endroit. On a cousu en bas et on l'a ouverte. C'est pour ça que c'est très grand. Catherine demande si ça ne pose pas de problème d'épingler le simili. Alors Catherine, si tu épingles le simili, épingle-le dans la marge à moins d'un centimètre du bord. Comme ça, tu n'auras pas de trou dans ton ouvrage. Hop. Donc... on a perdu les pinces, c'est bon. Donc là, on va faire une couture au point droit à 1 cm sur tout le tour et on retournera par le petit trou du milieu. D'accord? Donc, important, dans chaque angle, je plante bien l'aiguille pour tourner.
Surtout à ce niveau-là, c'est important ici aussi. Dès que j'ai un angle franc, je me plante avant de tourner. Donc moi, je vais commencer du côté du... Allez, au milieu du rabat. Vaut mieux commencer dans une ligne droite. Hop là. Toujours pas. Si je mets pas le bon numéro, ça lui plaît pas. Voilà. Donc j'ai bien mon aiguille au milieu. Et donc je vais piquer à 1 cm. Il y a Mode qui nous demande, peux-tu retourner pour savoir dans quel sens les coutures sont à l'arrière? Là, à l'arrière? Par rapport à cette pièce-là, peut-être. Je n'ai pas compris la question. Non? Donc, je fais mon point avant-arrière et je vais couper tout droit. Hop. Là, j'ai un angle, donc il faut que je pense à tourner. Donc, pour tourner, je viens hop, planter l'aiguille à peu près quand ça tourne. Ensuite, je peux soulever mon pied et je pars dans la direction. Si vous avez du mini décalage comme moi, c'est pas grave du tout. Hop, parce qu'on a 1 cm. Oui. Que la doublure soit plus grande. Un tout petit peu. Franchement, elle est plus grande de 0,4 mm. Enfin, 0,4 cm. 4 mm, c'est parce qu'il y avait un souci sur le patron. Il a été résorbé depuis. Je vous mettrai la mise à jour. Hop, c'est pas grave. Tu coupes endroit sur endroit? Oui, tout à fait. Je suis endroit contre endroit. J'ai une laprite qui a été déconnectée au moment de la couture du rabat. Help. Help. Alors, regarde. Hop, on est comme ça. Je mets mon rabat. Donc ça, c'était mon extérieur. Hein. C'est pas la même pièce que tout à l'heure. Endroit contre endroit sur la partie où il n'y a pas la pression. J'aligne bien le haut et je couds à 0,5 ici, couture de maintien. Ensuite, je fais un petit récap rapide parce que je suis en retard déjà. Ensuite, on vient mettre ici notre pièce de doublure endroit contre endroit. On aligne les bords et on coud à 1 cm sur tout le tour. Merci. Donc je pense bien à planter mon aiguille, ça c'est très important, si je veux avoir des finitions qui soient soignées. On va demander à notre public si elles savent ce qu'on va faire, vous avez deviné? Vous dites non pour me faire plaisir en fait, non c'est vrai? En fait c'est un beau dessous de plat. Allez, on y va, on finit, ah tiens, il manque un point. Voilà. Ça va pour les questions sur Facebook? Peut-on rappeler s'il y a un replay? Oui, il y a un replay. Le replay sera sur ma page Facebook, sur l'IGTV de Tissus des Ursules, sur YouTube demain matin, le temps que je rentre, et sur le site de Tissus des Ursules, sur le blog, vous le trouverez partout. Je vous remettrai les liens, ne vous inquiétez pas. Hop là. Donc, je finis le tour. On ne dira rien. On nous propose un porte-monnaie. On ne dira rien. Bientôt la réponse. Vous verrez. Déjà, et vous me direz s'il vous plaît aussi le vôtre. C'est important. Isabelle, ici, au secours, il me manque 1 cm. Où ça, Isabelle? As-tu bien mesuré ton carré test, Isabelle? Hop. Donc voilà, je suis prête pour retourner. Alors, Cassandre, elle dit, tu devrais faire plus souvent un tuto surprise, je suis trop fan. T'es coquine, Cassandre, hein, parce que Cassandre est dans mon équipe, donc elle voit tout le travail que j'ai. Donc là, on va venir dégarnir les angles, hop, des côtés déjà, pour retourner tranquillement. On ne coupe pas sa couture, hein, ça c'est important, sinon on va devoir recommencer. Ensuite, on a 2 crans à faire au niveau des côtés là qui ont été ouverts, au niveau des marges de couture. Je vais en faire un petit cran ici. Je ne coupe pas ma couture, attention. C'est pour aider la matière à mieux se répartir quand je vais avoir retourné. Donc pour ce cran-là, vous coupez en fait pile au milieu de la marge de couture ouverte. Et ce que je peux faire pour m'aider ici, vous voyez dans les faux angles là, j'ai des angles qui ne sont pas très très francs. J'y viens mettre juste un petit cran ici. Et ici, c'est pour m'aider. Est-ce que le pied téflon est obligé pour coudre du simili? Non, pas obligé, ça dépend du simili. Avec le caria, là, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais vous pouvez aussi utiliser un pied de double entraînement. Ça dépend vraiment de la matière que vous travaillez. Moment de vérité. Alors, bien sûr, moi, j'ai laissé un trou trop petit parce que sinon, c'est pas drôle.
Donc c'est l'accouchement, ensuite on retourne. Hop. Donc allez-y tranquille, hein. Essaye de me dépêcher pour qu'elle puisse coudre. Remarque, vous êtes le premier groupe, c'est pas vous qui serez... Hop. Allez. Donc pour expliquer, en fait, on a ouvert un bar à couture dans notre magasin de Givors, Tissi des Ursules à Givors. Et les personnes vont venir coudre le patron en exclusivité. C'est pour la journée, hein. C'est voilà. Pas tout le temps qu'il est ouvert. Non, non. Après-midi, nous allons offrir les tissus et elles vont pouvoir tester en exclusivité ce patron. Donc vous rentrez un outil pointu, en l'occurrence là mon aiguille à tricoter, et vous ressortez bien tous les angles, ça c'est important. Hop. Si les angles ne sortent pas, c'est que vous n'avez pas assez dégarni, d'accord? Donc on se retrouve avec une forme comme ça, voilà. Et là, je vais passer juste au fer à repasser derrière. Alors, je vais repasser les pièces des côtés, d'accord? Moi, je ne vais pas repasser mon simili, ou alors je vais le repasser de ce côté pour ne pas l'abîmer, ok? Et je reviens. Donc, vous pouvez repasser un peu parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse, surtout les côtés. Ressortez bien, bien les angles et conseille, si ici, dans l'angle, vous sentez de l'épaisseur, ce qui est mon cas, mais moi, je vais continuer quand même, retournez et dégarnissez un maximum parce que, ensuite, pour cette couture-là, on risque d'avoir trop d'épaisseur. J'arrive, je vais... repasser. Hop. Allez, je vous fais un petit coucou. Vous faites coucou? On est en direct sur Instagram, Tissu des Ursules. Oui. Allez. Voilà, j'en profite pour faire un petit tour de magasin du temps que Jovinette repasse. Hop. Et vous faites attention à votre bouton pression qui est en plastique, donc on ne repasse pas dessus. Idéalement, à la maison, on met un petit peu de, on met un coton pour protéger votre simili. Le joli papillon. Il est beau, mon papillon. Alors. Désolée pour le retard. En fait, j'ai été coincée en gare de Lyon. Je n'avais pas de train pour venir. C'est pour ça qu'on est un peu en retard. Alors, ici, deux options. Ah, attendez, vous ne voyez rien. C'est mieux. Donc, je vous montre mon repassage, ça donne ça. Donc là, je veux quelque chose de net, d'accord? Deux options ici. Soit vous fermez cette couture maintenant, soit après. Moi, je vais le faire maintenant, parce que tant qu'on en parle, hop. Et on va se faire un petit point invisible à la main. Alors, je sais, vous allez me dire, ah, je n'aime pas ça. C'est pas grave, essayez de faire quelque chose de propre. Personne n'ira mettre son nez, ce sera au fond du projet, de toute façon. Hop. Donc. Alors, pour ma mounette, nous avons 63 magasins dans toute la France. Donc, vous avez peut-être un magasin près de chez vous. N'hésitez pas à regarder les adresses de tous nos magasins sur notre site internet, donc www.tissudesursules.fr, dans la rubrique « Nos magasins ». Bien sûr, je ne vais pas arriver à trouver le chat de l'aiguille. Pratique. La pression. Ouais, j'ai la pression, mais j'essaye de me dépêcher. En fait, je vois l'heure qui tourne. Oui, c'est ça. C'est toujours ça. Et quand on se dépêche, on rate. Yes. Moi, je vais doubler mon fil. C'est pas obligé, mais j'aime bien. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je fais toujours ça. Hop. Alors. Tac. Donc, pour réaliser un petit point invisible, voilà comment on va faire. Je vais vous zoomer. Hop. Facebook. Voilà. Donc, j'ai mon aiguille. Je vais venir la planter pour qu'elle ressorte sur une partie déjà cousue, comme ça je cache mon petit nœud. Hop. Voilà. Bon, c'est pas hyper au bon endroit, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Il n'y a pas de questions, tout va bien pour Facebook? Où peut-on récupérer le patron, Priscilla? Sur le site de Tissu des Ursules ou sur le blog. Monsieur Dodinette va vous mettre le lien à cliquer. Donc, une fois que je suis là, je m'arrange pour ressortir mon fil un peu plus loin. Donc pour les questions Facebook, on n'a pas de magasin en Belgique. Par contre, on a un site internet. Donc n'hésitez pas à commander www.tissudesursules.fr. Donc là, je suis prête pour fermer. Donc vous allez voir, mon bord franc de tissu, il est là. J'ai un petit rentré. C'est pour ça qu'on a ouvert la marge de couture tout à l'heure. D'accord? Donc je ne viens pas dans le bord franc du tissu. Ce qui m'intéresse, c'est ce repli-là, là, comme un petit tourlet. Et je vais venir piquer dedans, mais dedans, plutôt vers l'intérieur du tissu. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme si c'était une rivière qui était comme ça. D'accord? Et je viens de berge à berge, mais je reste à l'intérieur de la rivière. Je ne viens pas sur l'extérieur, sinon mon fil va se voir. Donc je fais un premier point. Et quand je tire, vous voyez, les deux côtés se rapprochent. Donc je fais ça tout le long. Tranquillement. Hop. Et vous voyez, quand je tire, en fait... Bon, là, mon fil est doublé, donc c'est pas très joli. Mais quand je tire, mon fil n'est plus visible.
Donc on fait ça tout le long tranquillement. Alors moi je vais allonger mes points pour gagner du temps, mais vous pouvez faire des points serrés à la maison si vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de questions sur le point invisible parce que j'en ai souvent. Pour l'instant, non. Ça va ? Avec plaisir, Colette. Donc nous vivons bien en Belgique, nous vous le confirmons. Alors je vous rappelle, tant qu'on y est, il y a un code promo exclusif. Parce que vous demandez la livraison. C'est le code promo Dodinette21 qui vous offre -21% sur le site jusqu'au 22. Hop. Et pourquoi 21%? Car nous avons ouvert en 2021 21 nouveaux magasins. Voilà, j'ai presque fini de fermer, vous avez vu. Ça se passe bien votre point invisible chez vous? Moyen. Moyen. Ouais, il faut le faire tranquillement, là je speed un peu. Mais vous pouvez fermer à la fin. Hein. Vous pourrez fermer après, hein. Vous vous embêtez pas. Si c'est compliqué. Après, je pense que honnêtement, en trichant, si vous faites un truc comme ça, et puis vous cousez, hop là, ni vu ni connu, c'est moins joli. Mais si vraiment, si vous êtes embêté, vous pouvez faire ça. Par contre, piquez vraiment au bord. Hein. Alors, Régis Valcel dit, moi je dis, c'est comme une cicatrice, mais j'aime bien de berge à berge. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, j'ai pas recousu grand monde encore, j'espère ne pas avoir à le faire. Voilà. Vous voyez, puis on a quelque chose. Bon, bien sûr, je vais avoir un nœud avant la fin, sinon c'est pas drôle. Hop. Et donc, quand j'ai fini, donc là c'est pas mal, parce que j'ai pas de décalage, donc ça c'est chouette. Parce qu'en live, j'ai toujours peur d'avoir un décalage, donc c'est assez net. Et après, je viens faire un tout petit nœud dans un petit coin, un truc un peu discret, hop. C'est au fond, de toute façon ça se voit pas. Et voilà, donc là ma pièce est fermée. On a Karine qui a raté une étape et qui demande s'il faut faire une surpiqûre sur tout le tour. Non, non, non Karine, tu repasses juste. Surtout pas de surpiqûre parce que là vous allez voir, c'est là qu'on va coudre et non. Sinon ça va être trop épais. Donc là, elle est fermée ma doublure. Alors c'est là le moment où on va coudre de l'épaisseur. Donc conseil, j'allonge mon point. Donc là je me mets à 3,5, je peux même me mettre à 4. Pour aider la machine à passer des épaisseurs. Si j'ai un pied téflon à roulette ou double entraînement, je l'utilise, c'est mieux. Et je peux baisser la tension du fil. Ma tension en haut, là, elle est à 4, je peux la descendre à 3. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus c'est épais, plus en fait, il faut abaisser la tension de la canette en bas pour aider la machine à remonter le fil facilement. Et pourquoi on allonge le point? Parce que si on fait des petits points sur place, la machine, elle doit piquer plein de fois sur place et c'est trop épais pour elle. Donc si j'allonge, je l'aide à avancer comme ça. Donc c'est là l'instant de vérité, comme on dit. Donc là, on va venir replier le bord ici de la pièce qu'on avait cousue jusqu'au ras du simili, au ras de la pièce centrale. Et je viens placer des pinces. Donc là, on se retrouve avec l'épaisseur du rabat, et l'épaisseur de la pièce de côté et la marge de couture. Donc si c'est trop épais pour vous, vous démarrez un tout petit peu plus bas, d'accord? Ça, c'est juste pour fixer la pièce en place, c'est pas elle qui va maintenir l'ouvrage. Où peut-on trouver les tissus que tu utilises? Sur le site tissus-des-ursules.fr. Les références, vous les avez sur le patron avec les plans de coupe. Je vous ai mis toutes les références. C'est le Keria et ça, c'est le futon. Keria Rose Keria, Gold pardon. Et tissu futon à 100% coton. Ouais, je l'appelle toujours Keria, je ne sais pas pourquoi. Alors, mais vous avez les références et même les liens à cliquer. Donc, ma pièce, elle est prête, attention. Voilà, donc j'ai plus un papillon, il a disparu. Désolée pour les amateurs d'insectes, c'est fini. Donc, on est comme ça. Et là, je vais venir coudre au point droit. Je vais faire une surpiqûre ici, de chaque côté, à 0,5 du bord. Donc, c'est là que ça devient épais. C'est pour ça qu'on n'a pas entoilé ces pièces-là. Hop. Donc, si c'est trop épais pour vous, ici, d'accord, démarrer un peu plus loin, ce ne sera pas grave. Moi, je vais le tenter quand même, on verra bien. Et pour donner de la force à ma machine, quand j'ai trop d'épaisseur, je reste au milieu et je ne décale pas l'aiguille sur le côté, moi. Donc, je vais le faire à l'œil. Ah, mais j'ai perdu mon fil, bien sûr. Une question, oui. On nous demande pourquoi la doublure est en deux parties et pas en une seule. Pour pouvoir garder un trou pour retourner justement, parce que je ne veux pas avoir à fermer le bord de l'ouvrage avec le simili, ce ne sera pas agréable. Certaines n'ont pas noté le code promo qui est sur internet. Alors c'est Dodinette en minuscule 21, il va jusqu'au 22. Alors pour Leclerc-Jeanne, effectivement, comme on vous l'a dit, nous avons 18 nouveaux magasins qui sont situés dans le nord. Et qui deviennent tissus des Ursules. Donc vous pouvez retrouver les coordonnées complètes sur notre site internet. Comment s'appelle le patron? Johan, il s'appelle Johan, pourquoi? Elle nous regarde, hein. C'est pour ma copine Johan qui est malade. Et pour lui donner de la force parce qu'elle en a besoin.
Voilà, j'aimais beaucoup son prénom, c'était important. Allez, on y va. Moi, j'espère que je vais passer l'épaisseur, là. Ah, c'est toi qui as fait du bruit. Non, non. Ah, je crois que c'était mon live qui s'était coupé, j'ai eu peur. Que veut dire entoiler ? Entoiler, c'est mettre en fait un, comme un renfort au dos du tissu pour lui apporter du maintien. Ouais, c'était un peu épais pour ma machine. Allez, on est gentil. Oh. Attendez. Oui, il n'y a pas qu'à la maison où on a ce... Un live, c'est le... Ah ouais, je suis comme vous, moi. J'ai les... Voilà. Je crois que ça nous est toutes et tous arrivé. Je pense que ma canette, elle... Ouais. Alors, je peux vous dire que quand même, c'est mon 8e proto et que ça s'est tous très bien passé. Sinon, c'est pas drôle. C'est toujours comme ça, c'est parti. Donc là, je couds au bord à 0,5 jusqu'au bout. Vous en avez rigolé, mais je viendrai vous voir quand vous ferez cette étape. Moi aussi. Combien de non. temps le replay sera-t-il disponible ? Sans durée, on ne va pas l'effacer. Non, vous avez du coton, on a été sympa. On a fait un truc facile. Alors, hop. Tchouk. Et je fais l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je vais mettre un peu plus loin. Allez. Hop. Diane a posé une question, mais est-ce qu'elle pourrait la reposer ? Oui, il n'y a pas de souci. C'était quoi sa question ? Ah, Diane, est-ce que tu peux nous reposer ta question ? Hop, donc j'ai ça. Mieux fait chez vous, parce que moi, c'est vite fait. Je vous montrerai mes trucs bien cousus après, quand même, pour montrer que je sais coudre. Donc là, je suis prête. OK, dernière étape. Après, il y aura la pression à mettre, mais on va s'activer, parce que sinon, après, ça va être un peu rapide la journée. Alors, je suis prête. Oui, dis-moi. Quel type d'aiguille utilise-t-on pour coudre le 6mm ? Alors, moi, j'ai mis une aiguille de 90, mais si ton 6mm est épais, tu peux prendre une aiguille jean ou pour cuir qui est plus épaisse. Donc, on est à cette étape, tout va bien. Dur, dur, les épaisseurs, ça va aller. Allez-y, tranquille. Moi, j'accélère, mais ça va aller. Donc là, on obtient ceci. Donc, vous avez deviné, ça ressemble à une pochette. Ou on ne sait pas. On va voir. Mais ce n'est pas vraiment ça. Donc là, je vais me mettre endroit contre endroit. Je vais venir replier cette pièce-là, d'accord ? Mais avant, je vais ouvrir mes petites pièces de côté. On a la question de Diane. Oui, dis-moi. Concernant le point d'arrêt, elle a vu que ta machine avait un point d'arrêt, mais pourquoi tu ne le fais pas, tu fais un point avant-arrière ? Parce que je n'utilise jamais ce point d'arrêt, tu as raison Diane, tu es bien observatrice. Je ne sais pas, bon, c'est une habitude, en fait j'ai commencé sur une machine à coudre mécanique, et il n'y avait pas ce point-là, et du coup j'ai gardé mes réflexes. Attendez, si je ne me mets pas en face de vous, vous n'allez pas voir. Donc j'écarte mes petits côtés, d'accord ? Donc là l'extérieur est face à moi, et je viens plier endroit contre endroit. Donc je me retrouve avec la doublure de chaque côté. Et je vais venir aligner le bord des pièces, donc là-haut. Hop. Et j'aligne toute cette partie-là. Donc ici, vous allez voir, vous pouvez tirer un peu dessus pour que ça ressorte. Ce sera plus facile. Hop. Et hop. Tac. Et donc là, dernière couture. Donc vous tirez bien, vous voyez, ça ressort la marge et ce sera plus facile pour ici. Hop là. Donc là, comme vous avez compris, nous sommes en train de créer en fait des soufflets ici. Il y en avait qui avaient compris ça d'ailleurs pendant le live de découpe, je vous l'avais un peu dit, donc forcément. Et donc là, je vais venir faire un point hop, au bord. En fait, une piqûre nervure, c'est-à-dire c'est un point qui va être le plus près possible du bord. Alors si c'est dur pour vous d'aller tout au bord, mettez-vous à 0,5. C'est jusqu'ici, j'ai beaucoup d'épaisseur, donc mon pied ici... peut-être décaler votre aiguille pour pas qu'il vienne là. Hop. Donc je viens me placer en dessous. Donc moi je vais décaler mon aiguille, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà, je reste en point allongé, même si c'est du coton, ce sera plus facile. Ok, et je viens coudre au point droit.
Pas de questions, tout va bien ? Très bien. Okay. Je fais mon point avant-arrière. Hop là. On nous demande à combien est la longueur de fois. Alors moi, je suis restée en point allongé à 4. Vous pouvez vous mettre à 3. Aussi. Comme c'est du coton, ça dépend vraiment de votre machine. Moi, je suis restée comme ça parce que comme la couture d'avant, j'ai eu la honte parce que j'ai pas réussi. J'ai préféré assurer. Donc, je fais pareil des deux côtés. Hop. Et je replace mon projet. Émilie nous demande comment tu fais pour décaler ton aiguille. Alors, moi j'ai un bouton spécial, Émilie. En fait, je vais te montrer sur Facebook. Tu as en fait, ta machine, elle a deux repères, ici. Je ne sais pas si je peux te montrer. Hop là, ici. Tu as deux repères. Tu as le point, la longueur du point, et ça c'est la largeur du point. Je dois occulter là, non ? En point zigzag. Tu dois ? Non, c'est bon. Je vois ton téléphone, mais c'est bon. Et moi, c'est ce repère-là, en point zigzag, qui me permet de décaler l'aiguille soit à gauche, soit à droite sur ma machine. Toi, si tu as une machine à coudre mécanique, tu as peut-être des roulettes en haut, mais tu as les mêmes repères. Hop, et quand j'ai fini, désolé, je coupe. Rosanna nous demande si on peut repasser. Oui, on peut repasser, mais on fait attention. Normalement, on a déjà repassé à l'étape d'avant, mais on fait attention aussi midi. Donc, je me retrouve avec ça, une pièce à l'envers. Et c'est là qu'on découvre notre création. On va la retourner. D'accord ? Donc, vous, normalement, vous n'avez pas un truc avec des mini décalages comme moi. Parce que moi, comme je suis en direct et que en plus, j'ai du public. Et je me retrouve avec ça. Donc, j'ai un petit porte-monnaie à souffler. Voilà. Qui permet de ranger sa monnaie, tout ça. Pour les fêtes, c'est sympa. Et il y a bien sûr une étape que j'ai oubliée, mais on peut la faire maintenant, c'est qu'on va faire une surpiqûre ici pour que ce soit plus net. Donc on va la faire ensemble. Et donc on se retrouve avec un petit porte-monnaie à souffler comme ça, hop, qui est très mignon. Et donc on va surpiquer et ensuite on va placer notre pression ici. Donc on peut s'amuser à changer les tissus, les matières, à en faire des... Plein, parce que c'est rapide. Hein. Là, on a mis du temps parce que je réponds aux questions, je m'arrête. Mais en réalité, les testeuses, elles en ont cousu plein. Et elles étaient vraiment contentes du projet. Donc moi, je vais faire maintenant une surpiqûre ici pour bien fixer le haut. Idéalement, il faudrait l'avoir faite avant. Hein. Est-ce que ça voilà. Vous plaît ? On n'a pas de commentaires pour l'instant. Parce qu'elles sont concentrées peut-être. Dernière ligne droite. Et ça, il ne faut pas rater. Ah. C'est l'étape la plus dure, c'est pour ça. Les couturières du magasin ont hâte de commencer. Eh bien oui, elles sont prêtes là. Bravo, il est superbe, les petits bricoles. Ah, merci Maliti, je savais pas que tu étais là. Laurent se demande si la dernière couture était en point zigzag. Non, j'ai aucun point zigzag, je n'ai que du point droit. Donc moi j'ai fait cette couture-là. Hop. Et oui, effectivement, c'est une super belle idée cadeau. En plus, on peut le réaliser également pour un homme en choisissant des tissus un peu plus masculins. Donc je vous montre avant, parce que moi je triche, j'ai toujours... Ça va, on va se dépêcher de finir, sinon ça va couper. Moi, je vais sauver mon live. Donc ça, c'était avant de plier, d'accord ? Avant de plier, l'étape qu'on a oubliée, c'est là. Je vous le remontre. Il fallait faire une couture au point droit ici avant de venir là plier. Je vous le remontre. Hop. Voilà. Sur Insta, tout le monde dit c'est trop beau. Eh ben trop bien. C'est super. Du coup, je me dépêche parce que j'ai peur que mon téléphone se coupe et j'aurai plus mon live. Donc, il va falloir que je m'active pour mettre la pression ici. Je vais venir plier mon rabat, d'accord ? Donc, je pense au fait que moi, je ne veux pas que la monnaie sorte en haut. Donc, j'essaye de tendre un petit peu et je viens chercher la position de la pression dedans, d'accord ? Et je me fais un petit repère. Donc, je n'ai pas de stylo, mais chez vous, faites-vous un petit repère. Et moi, je vais le faire un peu vite fait comme ça. Je vais placer mon dernier bouton pression. Hop ! Voilà, donc chez vous c'est mieux fait, hein, qu'on soit d'accord. Il faut que ça pressionne avec la pression qui est en dessous. Alors à tout à l'heure, trop beau. Alors on a un peu de retard, alors n'hésitez pas à venir 5-10 minutes plus tard. Oui, parce qu'en plus on n'a pas mangé en vrai. Oui. Ah oui, sinon c'est pas drôle, mais nous on aime les journées intensives, c'est pas grave. Allez, je place ma pression. Hop. Je me dépêche Facebook parce que j'ai vraiment peur pour ma batterie. Alors, la pince, elle est là. C'est
un projet qui plaît beaucoup. Ah, c'est chouette. Je suis très contente parce que j'en ai cousu beaucoup et beaucoup pour être sûre que ça vous plaise, tout ça. Hop, j'ai des petits fils à couper. Donc voilà, je vous présente Joanne. Bon, qui est cousu pas très droit celui-là, mais j'en ai un qui est très bien fait. Je vais vous montrer. Moi, je triche. Hop, voilà. Pour montrer tous les protos que j'ai faits, j'en ai fait beaucoup. Donc vous avez celui-ci, donc qui remplace celui-ci, qui est bon, il est pas non plus horrible, ça va. Voilà, mieux cousu qui est là. Hop, petit porte-monnaie à soufflet Joanne. Il y avait la version comme ça, j'avais essayé un rabat comme ça aussi, sans biais. Et il y a l'option avec un biais fait maison. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc c'est la taille mini. Question, peut-on entoiler les soufflets? Je pense que c'est pas une bonne idée. Ou alors, si vous utilisez de la popeline, vous pouvez entoiler seulement si c'est une popeline et vous prenez de la H200. Mais si vous entoilez, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Voilà. On va finir avant que ma batterie ne coupe. Je vais vous reprendre. Alors, maintenant que vous avez cousu Joanne... Oh là là, je suis très zoomée, c'est horrible. Voilà. Maintenant que vous avez cousu Joanne, donc déjà, vous retrouvez le patron sur ma boutique. Il est sorti en plusieurs tailles. Vous irez voir, mais je ferai un live demain parce que là, on est occupé et en retard. Je tiens à dire une chose. Maintenant que vous avez cousu un très beau porte-monnaie, nous vous mettons au défi avec Tissu des Ursules. Nous démarrons maintenant, tout de suite maintenant, un challenge couture. Donc le but, cousez votre porte-monnaie Joanne, 1, 2, 10, comme vous voulez, dans les tissus qui vous font plaisir. Faites une jolie photo et postez-la nous sur les réseaux sociaux avant le 1er décembre. Il va y avoir, je ne me rappelle plus, 4 gagnants. Non, 3. 4. 4, c'est ça. Nous avons 4 gagnants. Donc sur Instagram... Vous postez en taguant Tissu des Ursules Dodinette, hashtag Tissu des Ursules, hashtag Dodinette, vous postez votre créa, d'accord? Il y aura 2 gagnants, le coup de cœur du jury et un modèle tiré au sort pour que tout le monde ait sa chance. Sur Facebook, même chose, vous postez sur les réseaux en nous taguant, comme ça on pourra retrouver vos photos. Les hashtags Dodinette et Tissu des Ursules, c'est hashtag Dodinette, hashtag Tissu des Ursules, si on n'est pas en entier. Et nous avons des beaux cadeaux pour vous. Chaque gagnant va recevoir un bon d'achat de la part de Tissu des Ursules et un de la part de Dodinette de 25 euros chacun. Donc ça fait 50 euros par gagnant. 4 gagnants. Gagnante et 4 gagnants. Ouais. Tissu des Facebook. Exactement. Donc 200 euros de cadeaux maintenant en plus du patron offert et ça m'a fait très plaisir. Voilà. Envoyez-moi des photos, j'ai envie de voir ce que vous avez fait. Je vais devoir couper parce qu'on a un grand public derrière nous qui nous attend. Et surtout, j'ai peur que ma batterie ne lâche, donc vous n'aurez pas de replay. Je vous embrasse, merci pour ce moment. Oui, mais quand on aura rechargé les batteries, je ferai un petit live tout à l'heure, je vous montrerai ce qu'elles font en atelier, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, bonne journée. Celles qui viennent nous voir, à tout à l'heure. On est à partir de 14h30 disponible pour vous, pour faire un petit point, rencontre cousette, petite photo, tout ça, tout ça. Moi, je vais remettre mon masque et je vous dis à tout à l'heure, bon challenge et bonne couture. À bientôt.